se poser dans un endroit comme ça, comme dans un bar par exemple, est quelque chose de rassurant. Surtout si c'est vos premières sorties les filles. Ou même des années après, ça fait toujours pas de mal hein, d'aller quelque part dans un endroit où vous vous sentez bien. Après, il y a deux erreurs qu'il ne faut pas commettre. Si vous n'êtes ni transgenre, ni une personne LGBT, cela vous concerne aussi dans une certaine mesure. Mais quelles sont donc ces deux erreurs, Edith? J'y viens, Fashion. La première erreur est de croire que vous n'aurez aucun souci dans l'établissement en question. Après, vous êtes dans un bar, non? Et ce n'est pas parce que c'est un bar LGBT que vous pouvez potentiellement avoir moins de problèmes que dans un bar dit classique. C'est pas compliqué, un bon moment dans un bar, ça se résume en général à 5 trucs. 1. Tes consos, tu paieras. 2. Des propos inappropriés, tu ne diras pas. 3. Des gestes déplacés, tu ne feras pas. 4. Des comportements étranges qui n'ont rien à voir avec ta présence en cet endroit, tu ne pratiqueras pas. Et enfin, 5. Rester en bon terme avec toute personne que tu croiseras, tu devras. Mais tout ça, je le fais déjà. Tant mieux, ma Fashion. Mais tu sais, des fois, beaucoup de personnes se comportent mal sans même des fois le savoir. Pour ne pas perdre de fil, retenez juste que dans n'importe quel bar, vous pouvez avoir quelqu'un d'assis à côté de vous qui parle trop fort. Supporter de la musique que vous aimez pas forcément. Trouver la déco moche. Avoir pris une conso qui vous déplaît. Être mal reçu par le personnel de l'endroit. Vous faire draguer? Et oui, mesdames, vous qui rêvez de vivre votre féminité au grand jour, c'est un élément, encore une fois, avec lequel il faudra également composer. On fera un sujet là-dessus, voire peut-être même deux. Mais ultérieurement, si vous vous abonnez, on vous tiendra au courant. Oui, c'est cela, abonnez-vous! Donc, on l'a vu, le fait que ce soit un bar LGBT ne prouve en rien que cela va vous plaire plus qu'un autre bar. Bon, personnellement, j'ai jamais eu d'ennui avec ce genre d'endroit. En tout cas, pas juste pour boire un godet ou me poser. Il faut aussi qu'on vous fasse un topo sur tous les petits trucs à savoir si vous tentez une sortie dans une boîte LGBT. Voire même une sortie en boîte tout court. Oula, il y a beaucoup de trucs à dire. Hein. Je sais pas si ça tiendra dans une seule vidéo de 10 minutes. Hein. On en fera plusieurs au pire. Donc, et pour revenir à notre principe de ce que l'on disait par rapport au bar dit amical, on peut néanmoins vous recommander de vous poser dans un endroit que vous connaissez déjà. Le gros avantage de l'endroit connu, il est double. D'abord, vous savez à quoi ça ressemble, donc vous pouvez déjà visualiser la scène avant même de tenter la fameuse sortie. Deuxième avantage, vous connaissez peut-être déjà un peu le personnel, qui est formé, c'est son métier, pour servir tout type, tout genre de clientèle. On entend par là que le personnel d'un bar, d'un restaurant, d'une discothèque, doit servir les clients, quels qu'ils soient. C'est d'ailleurs une des bases du commerce en général. Sauf dans des cas bien déterminés, un commerçant ne peut pas refuser une vente. Sinon, c'est clairement de la discrimination. Donc, on vous servira. Et si c'est pas un visage familier, c'est encore mieux. Deux cas sont possibles. Soit vous y alliez déjà avant de vous y pointer et vous connaissez le patron, la patronne ou tout autre membre du personnel. Ça, c'est l'idéal. Personnellement, je connais un patron de bar. Ça, c'est cool. Soit vous n'y êtes jamais venu, mais vous allez plusieurs fois y retourner. Donc du coup, on va vite vous reconnaître et vous serez de facto de mieux en mieux servi et accueilli. En gros, vous êtes toujours à l'aise quand vous y allez. Ça permet de se sentir mieux en extérieur de chez vous et en même temps dans un endroit qui reste familier à vos yeux. Car c'est toujours pareil, c'est la peur, la flippe, la trouille qui nous empêche de vivre la vie que nous méritons. On a bien résumé le truc. Sortir dans un bar n'est pas évident du tout, surtout les premières fois. Mais c'est tout à fait possible. Il suffit de savoir où vous mettez les pieds, quoi. Oui, c'est cela. Surtout que cela reste un monde des fois un peu superficiel.
on l'a évoqué au début, si vous picolez un peu trop, eh bien dans ce cas-là, gaffe au risque d'être un peu trop bien, justement. Ça peut vous mettre dans une espèce de monde parallèle, et il faut pas vous y enfermer. Ouais, car si ça donne des trucs du style « tout le monde il est gentil et j'ai envie de payer des tournées à n'importe qui » Et puis, si vous vous faites draguer, vous ne pouvez pas être trop bourré, hein. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les sorties dans les bars en général. Et encore, on ne fait que survoler le sujet, il y a tant à dire. Si on me laissait le temps, j'écrirais 3 ou 4 bouquins par an, moi. Bah écoute, fais déjà une vidéo par semaine, ce sera déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous mettre un petit coup de pouce, ou pas. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires, ou pas. Et à la prochaine sur l'île de Nantes, ou pas. Mais non, je déconne, revenez quand vous voulez. Hein. On espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous. Bon, c'est pas tout ça, on va s'en jeter un avec modération.